Allez les enfants, c'est bon, on vient vers moi. Bon alors, vous vous rappelez, hier je vous avais dit qu'on allait faire une petite balade en forêt. Bah oui, et bah ça y est, on y est, c'est cette forêt. Oh, elle est trop belle, je la connais par cœur, sur le bout des doigts. Donc si vous voulez pas vous perdre, suivez-moi. Par là-bas, il y a une petite biche. Avec ses bébés, on peut les toucher. Là, il y a un écureuil qui se balade de temps en temps. Ça va être trop bien, on y va? Oui, allez. On est la colo. On est la colo. Suivez les enfants. Oui. Ah, il fait beau, on a de la chance. Hein. C'est quoi que c'est fini cette balade? Ah là là. Vraiment. C'est bon les enfants, vous suivez? Oui. C'est bon les enfants, vous êtes bien installés, tout va bien? Oui. Il fait pas trop chaud, ça va? Non, ça va. Écoutez, je vais par là, je pars en éclaireur. Je suis pas sûre du chemin, mais je vais le retrouver. Hein. Donc vous restez bien assis, vous restez là, puis vous avez qu'à vous surveiller. Hein. Je reviens tout de suite, hein. Vous restez là. Hein. À tout de suite. Oui, à tout de suite. On va faire quoi en attendant? Je sais pas. On attend. Oh là là, ça fait trois plombes qu'elle est pas là. Ouais. C'est énervant. Ah, oh, j'ai que 39% de batterie. Oh my god. Bon, c'est la massage. Bon, Elia, t'as fini de faire les 100 pas là? Mais oui, mais ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Je vois bien qu'elle est pas là. Donc je sais pas, assis-toi ou reste quelque part, mais arrête de faire les 100 pas. Mais toi, tu dors si t'es fatigué là, c'est ce que je veux. Elle est toujours pas là. Bon, ça va, on se calme, arrêtez de vous plaindre tout le temps. Hein. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, merci. Oh, toi, tu vas arrêter, tu me saoules. J'ai pas tort. Elle est toujours pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous abandonne. Je te parie qu'elle s'est déjà trouvée une autre colo. Ou qu'elle est revenue là-bas. Y a pas de wifi. Oh mon dieu. Non mais allô quoi? On va tous mourir. Non, 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 non. Y a de la wifi dans les arbres, je crois. Je sais pas, on a qu'à regarder. Le wifi, ça pollue, ça fait des ondes, et dedans on est paumé dans une forêt. Tu veux faire quoi avec ton wifi? Bah, je vais appeler les secours, tu crois quoi? On est paumé dans les bois, ils se disputent pour rien, et j'ai faim. Non, mais la lime, elle reviendra pas là, donc bougez-vous et on y va. Allez, allez, on va pas y passer la nuit, on part à sa recherche. Il n'a pas marché. Tu as raison, il faut y aller. On y va? Ouais. Je serai votre guide pendant tout le trajet, ce sera parfait. Non mais la crotte c'est de l'engrais, faut arrêter là. Ah non mais j'hallucine quoi. Et les gars, elle est où l'animatrice? Mais elle est partie depuis longtemps.
envie de rentrer. J'en ai marre. Moi aussi. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait dans cette forêt? Il est où, Max? Il est parti chercher des toilettes. Qui va chercher des toilettes dans une forêt? Lui. Max. Déjà, moi, j'ai jamais voulu venir dans une colo. Moi, j'aurais préféré regarder le match de foot. Qui a eu l'idée de nous inscrire dans une colo pareille? Bah, maman, elle voulait qu'on se sociabilise. Hein? Hé les gars, j'ai pas trouvé de toilette, mais j'ai trouvé ce t-shirt. Vous pensez qu'il va bien? Ça se vend en magasin, ça? Non, mais qui porte ça en 2018? Quelle mocheté. C'est hideux. C'est pas le t-shirt de Claire, ça? Mais si. Mais si. J'avais pas remarqué. Oh, tu l'as trouvé où? Mais oui. Je trouve ça toujours aussi moche. Si Max a trouvé le t-shirt de Claire dans les parages, c'est qu'elle est plus très loin. En tout cas, moi, hors de question que je bouge d'ici. Moi, je suis trop fatiguée. Moi, je pense qu'il faut construire une cabane pour la nuit. On continuera les recherches demain. Bah, la cabane, tu la construis avec le bois qui est tombé parce que jamais tu coupes des arbres. C'est vrai qu'il nous faudra un outil. Les arbres, c'est contre le réchauffement climatique, ok? Ouais, mais s'il pleut demain, et les traces, elles vont peut-être s'enlever. Faut faire un choix. Mais les traces, on les verra pas, c'est dans la mousse. À ton avis, Clara, combien il faudra de branches pour construire la cabane? Je sais pas, mais au moins 100, je pense. Ah. Mais qui c'est qui va la construire, la cabane? Vu que je suis en haut de la Seine, autant que je la construis moi-même. Mais Max, tu t'y connais en cabane? Bien sûr. Ma père était bûcheron et mon oncle était charpentier. Hein? Dis-moi, Marie-Louise, tu crois pas qu'ils sont mal organisés? Tu m'étonnes. À ce rythme-là, ça se finira dans une semaine. On a une vie, nous aussi. Franchement, s'il flotte cette nuit et que je me réveille les pieds dans l'eau, j'intente un procès à mes parents. Mais comment tu vas payer l'avocat? Bah avec mon argent de poche, pardi. Ah ouais, pas bête. Hé hey, les filles, vous pourriez venir nous aider s'il vous plaît? On irait beaucoup plus vite si vous étiez avec nous. En fait, on se disait que vous faisiez du travail magnifique et on voudrait pas déranger ça. En plus, c'est très beau, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie tellement c'est magnifique. C'est ça la cabane? Wow. C'est toi qui as fait ça. T'es sûr? Pas mal, hein? On fait ça la cabane? Est-ce que t'as vu la cabane? Malheureusement, oui. Eh ben. Ah, ça va, il a bien travaillé, le petit habitant aujourd'hui. C'est vrai. Il a bien trotté, galopé, tout ça. Et sinon, tu lui as remis de l'eau? Oui, je lui ai tout donné, t'inquiète pas. Et ici.
trop cool de m'avoir invité, tonton. Merci, ça me change de part et ça fait du bien. C'est vrai, ça te plaît, t'es content? Ouais, il y a moins de pollution. Mon nez est débouché. Hein. Enfin, ça sert à quoi ce nœud? Mais je suis en train de faire les nœuds, comme ça, ça traîne pas par terre, tu vois. Mm-hmm. Et on se met pas les pieds dedans et surtout, on n'arrache pas tout. Ah, oui, d'accord. On va voir le ballon de Thomas. C'est parti. Allez. Salut les cousins. Salut James. Salut papa. Alors, ça va cette chevalerie? C'est une écurie. Ah, mais franchement, tu sais pas ça. Bon, elle a bien travaillé ce matin? Ouais. Ouais, ça va, elle a bien trotté. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille nourrir dans les prés directement. Comme d'accord. Ça sera fait ce matin. Ok. Allez, c'est parti. Go! T'as vu la montagne là-haut? Ouais, c'est magnifique. T'as pas ça à Paris, hein? Ah non, nous on a que des immeubles. Ouais, avec les sentiers et tout. Ah ouais, c'est beau. On peut aller dans la forêt bah, tous les matins, tu vois. C'est tous les matins comme ça. La chance. Là, c'est 100% nature. Ouais, ça, c'est sûr. Ah oui. C'est par où la colonie? Enfin ouais. C'est pas trop tôt. On est sorti de la mise. J'en ai marre, moi. Ah. Ça sent bon. Et c'est beaucoup plus beau qu'avant. Bonjour, est-ce que bonjour. Vous nous indiquez la colonie où on est perdu? Attendez, vous êtes le groupe qui s'est perdu il n'y a pas longtemps hein? Oui, on est perdu depuis 24 ans à cause d'une animatrice qui ne connaît pas son chemin. Bon, alors écoutez, c'est pas un problème, c'est pas loin. Vous allez les emmener, les enfants? Ouais, c'est ouais. Mes deux fils et mon neveu. Ils vont vous emmener là-haut, il y en a pour 10 minutes, c'est, oh, vous merci, êtes presque arrivés. Merci, vous d'accord. Ça fait grand quatre. Allez, on vous emmène. Courageux. Ah, merci. Bonjour.